Est-ce qu'on serait pas le 1er décembre aujourd'hui, chers amis? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on commence l'ouverture des calendriers de l'Avent. Ça fait toujours plaisir ce moment où vous commencez à sentir le petit Christmas qui se pointe au bout du mois. Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui, ce dimanche, et je vous annonce officiellement, avec la plus grande joie du monde, que nous allons ouvrir ensemble non pas un, non pas deux, messieurs, dames, non, 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 car ce serait trop facile. Nous allons ouvrir cette année budget spécial de l'économie. Trois calendriers de l'Avent, le Harry Potter, le Star Wars, le City, et nous allons voir ça sur la chaîne par un système très simple, deux vidéos par semaine récapitulatives de ce que l'on trouvera dans les calendriers. Donc ça va se passer comme ça: le jeudi, vous aurez les vidéos du lundi, du mardi, du mercredi et du jeudi, enfin du moins les objets du lundi, du mardi, du mercredi et du jeudi, et le dimanche, vous aurez les objets du vendredi, du samedi et du dimanche. Ça nous fait deux vidéos par semaine, ça n'arrêtera pas les autres vidéos en cours, ça veut dire que vous aurez techniquement des vidéos le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. Peut-être que je rééquilibrerai et que je ferai une vidéo le mardi et pas le mercredi pour pas que vous en ayez tous les jours non plus. Mais voilà, cette année, au mois de décembre, ça va blinder en vidéo, donc je vous invite à mettre la petite cloche de notification. Des fois, il y aura peut-être pas autant de vidéos par semaine, hein, parce qu'il faut que je dorme quand même un petit peu. Mais bref, aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est dimanche et donc on va ouvrir la première case. Oui, 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 bien évidemment. J'en profite aussi pour vous dire que tout sera retrouvable sur Instagram. Je vous posterai en même temps que le jeudi et le dimanche une petite photo des nouveautés qu'on aura reçues. Donc dans le calendrier, on va s'attaquer donc avec le calendrier City. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois j'ouvrirai un calendrier, j'ouvrirai la petite case, on montrera le petit objet et puis on regardera ce qu'il y a dedans. Trois calendriers, on va essayer de faire ça le plus vite possible. Cette vidéo sera un peu longue puisque c'est la mise en place, mais pour après on enchaînera rapidement. Je vous propose donc qu'on ouvre la première case. Voilà, le calendrier est comme ceci. La première case, comme vous pouvez le voir, elle est juste là, le 1. Franchement, le calendrier City est plutôt élégant cette année, je l'aime beaucoup. Il y a de belles images, tout ça. Donc on va toucher des figurines, on va toucher un Père Noël. On va donc ouvrir la première case, c'est parti. Je l'ouvre en live avec vous pour aujourd'hui, les prochaines fois, je les ouvrirai en off. Et donc nous avons un petit sachet. Alors aujourd'hui, ce que l'on va monter, c'est une sorte de quad des neiges, c'est exactement cette petite chose là. Et voilà, notre premier objet Lego City est monté. Regardez-le comme il est beau, c'est une sorte de petite déneigeuse. Bon, c'est pas non plus oufissime, on a juste cette petite option qui permet de racler la neige quand on est enneigé. Bien évidemment, c'est le principe de racler la neige. Donc voilà, vraiment un petit objet, mais rien de bien fou. Donc voilà, franchement, je ne m'attendais pas. Souvent la première case du calendrier de l'Avent, elle est pas dingue. On verra si ça se vérifie dans les autres calendriers. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au calendrier numéro 2. Allez, pour aujourd'hui, on enchaîne avec le calendrier Star Wars, qui est aussi très joli. On reconnaît des petits vaisseaux, il y a un Kylo Ren Shuttle, il y a le X-Wing de Poe Dameron, on a des soldats du premier ordre, tout ça, on a un Luke Skywalker, on a un Rebel ici, on a un Piaf, je ne sais plus comment il s'appelle, ça c'est avec Bespin, ce sont les dual vaisseaux là, on a, ah tiens, on a un tank de l'armée séparatiste, on a une sorte de droïde gonk, on a un Chewbacca qui est juste là. Bon bah il y a l'air d'avoir pas mal de petites choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi ouvrir la première case de ce calendrier là, et on fait un petit point sur l'intérieur qui est hyper jolie, petite montagne enneigée, ciel étoilé, tout ça. Première case donc au même endroit. Tiens d'ailleurs, je vais vérifier, on va faire un petit truc, est-ce que tout est au même endroit? Eh bien oui, regardez, on a le 10, le 14, le 11, le 7, que vous pouvez pas voir en bas, mais 10, 14, 11, 7, 4, 11, 19... 4, 11, 19. Oui, toutes les cases sont au même endroit, dépendamment des calendriers. Bon, je ne savais pas. C'est la première fois que j'ouvre 3 calendriers, je vous avoue. Et par contre, les cases s'ouvrent carrément mieux. Ils ont vraiment refait le système de cases, c'est très agréable. Et aujourd'hui, nous allons monter un vaisseau qui est là. Alors, attendez, ce qu'on va faire. Voilà. Ce sera plus simple si je vous mets là. Et voilà, on se retrouve donc avec ce vaisseau du premier ordre. Donc c'est le vaisseau amiral hein, du premier ordre, de l'Empire, on va dire, de Star Wars 789. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai un petit trou de mémoire, si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il est joli, comme d'habitude, on a eu des petites pièces en plus, je sais pas si vous avez dû voir dans la période de construction. Donc voilà, vraiment, là pour le coup, assez satisfait. Première case réussie du côté du calendrier Star Wars, donc pour l'instant, petite préférence pour le calendrier Star Wars. Mais vraiment, je suis fan de ce qu'ils ont fait en termes décoratifs, vraiment très
très très joli et les cases ont été remodifiées et tout, donc vraiment très très beau. Gros coup de cœur pour le calendrier Star Wars pour l'instant, on va passer au calendrier Harry Potter. On enchaîne avec le calendrier de l'avant Harry Potter et celui-là je vous avoue qu'il me hype vraiment, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans mais je ne sais pas qui va où et quelle case aura quoi. On a un Hermione, on a un Harry, on a un Dumbledore, on a des petits papiers cadeaux, tout ça, on va retrouver vraiment des trucs décoratifs et surtout propres à l'univers Harry Potter. Donc on aura le Harry avec le pull de Noël, le fameux pull de Noël. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Alors la case numéro 1 est ici, on y va. Alors par contre je vous conseille juste de faire attention parce que du coup j'ai failli faire une moulette et ouvrir la case 13 dans le sens où j'ai appuyé un peu fort sur mon calendrier. Oh pop 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 pop. Regardez avec quoi on commence. Le premier de l'an, enfin de l'an. Le premier du mois, on se retrouve avec notre Harry Potter national, ça y est. Bon bah énorme démarrage du côté du calendrier de l'avant Harry Potter. Nous voilà donc avec un petit Harry Potter en pull de Noël. Regardez comme il est beau. Oh, j'ai pas assez poussé, voilà. Il est vraiment magnifique ce petit Harry Potter. Je le trouve vraiment très très beau. Franchement, c'est vraiment super cool de les avoir. Je crois qu'on les a tous les trois, les petites figurines Lego en version Noël. Donc voilà, vraiment très cool. En tout cas, c'est ce qu'on va faire. Donc tous les jeudis et tous les dimanches, on ouvrira les petites cases de notre calendrier parce que nous sommes des enfants, bien évidemment. J'espère que ce genre de petite vidéo va vous plaire. Ça sera retrouvable donc sur YouTube et sur Instagram pour les photos. Écoutez, bah, je vous souhaite une très bonne ouverture à toutes et à tous. Un très bon dernier mois avant Noël, bien évidemment. Ça va nous permettre de patienter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos d'ouverture calendrier Star Wars. Et puis en attendant, je vous souhaite une très bonne matinée, une journée, une soirée, une nuit, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, ciao les amis.